Quitte notre petit campement, donc direction Shanks. On va aller voir les cascades. C'est parti. Petit problème en Belgique, c'est qu'on ne trouve pas de magasin de souvenirs et j'ai l'habitude, pour habitude, d'aller chercher des plaques pour mettre dans mon camion en souvenir. Et alors, du coup, on a été dans une brocante. On a retrouvé une petite affiche avec des vrais tampons. Donc, ça va finir dans le camion en souvenir. J'ai même chopé des chaussures de randonnée, 10 euros, pas cher. Un pull, 5 euros, un sweat. Donc, parfait. Voilà, on continue direction Shanks. Aussitôt acheté, aussitôt mis. Là, voilà la petite plaque. Nickel, il y avait son emplacement qui l'attendait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voyager pour remplir, hein. Et puis regardez, petite chaussure de rando, 10 balles. Merci messieurs, mesdames, les Belges. Et le sweat, 5 balles. Eh ben on reviendra. Le truc rigolo, quand j'ai demandé au gars de la brocante s'il avait comment dire, des plaques du coin ou de la Belgique ou de... Ah ouais, du coup le gars me dit, oh ça je connais pas, ça doit pas être chez nous ça. Donc je pense que ma prononciation est plus que pourrie. Donc si vous pouvez me dire comment ça se prononce, je vous en remercie. C'est par là. C'est par là que ça se passe. Ah bah il y avait une bonne côte là. On entend le bruit. Je vais vous remettre le petit micro. On y est. Ça y est. Là, voici, là, voilà. Avec la petite mousse, là. Allez, retour au camion pour aller à Dinan maintenant. C'est parti. Copilote, tu montes? Allez, monte. Allez. Il y a des vélos derrière. Ils iront peut-être plus vite que nous. Ça les fait rire, deux grandes duduches sur une petite tatinette. Dernier tour pour les bords
Lourdes. Bon, vous voulez voir le lac qu'il y avait derrière cette grande colline là. Mais du coup, on n'a pas trouvé le passage. Alors on rentre bredouille. Et comme le temps est compté, et ben c'est parti pour Dinan. Allez, c'est reparti. Retour dans le van pan. Et de Dinan, t'en prends plein les yeux dès que tu arrives.
sans oublier le musée de la Bierlef. Retour maison. C'est parti, la Belgique, c'est terminé. Il va falloir retourner à sa vie de maman. Donc là, on va prendre un petit peu la direction de Reims. On va faire quelques heures et on continuera demain matin. Donc voilà. Bonne nuit. Bon, la voix rock du matin. En fait, on a poussé. On s'est pas arrêté à Reims. On est arrivé dans la Sarthe. Comme je suis d'origine sartoise, eh bien, on va faire une petite surprise à papa, maman au passage. Donc, on va aller leur faire un coucou. Là, on est bord de la Sarthe. On est arrivé sur les coups de 3 heures, je crois. Ouais, 3 heures. Oui. Et du coup, on a roulé. Combien? 5 heures? 6 heures. 6 heures. Donc, il ne reste plus beaucoup. Voilà. Tête dans le cucu. Vous posez certainement la question, pourquoi elle a mis ce titre-là? Alors, c'est simple. J'ai pas fait de bêtises, je vous rassure. C'est parce que j'ai été opérée de l'épaule. Du coup, j'ai eu une acromioplastie. Donc, il y avait une bursite. Et du coup, il y avait l'os qui, avec la bourse qui était enflammée, bah, du coup, il y avait l'os qui frottait dessus. Donc, ils ont raboté les os. Et du coup, là, je suis en rééducation depuis 2 mois. Donc, c'est pour ça que j'avais pas possibilité de conduire trop longtemps, ça fatiguait, les nuits étaient sympathiques et du coup ça a mis un an et 2 mois là pour arriver au bout. Donc ça a été long, on a réussi et je remercie d'ailleurs mon chirurgien et ma rhumatologue parce que sans eux ça a mis tellement de temps parce que tu fais écho, radio, IRM, ils trouvent rien. Donc tu commences à passer pour une folle et pourtant, la douleur, elle est là, mais personne ne trouve rien. Et ça a été la rhumatologue qui a dit, bah, moi, je pense que c'est ça. Donc là, je récupère petit à petit. Et ça va être bon maintenant. Voilà. Là, je préférais le mettre à la fin de la vidéo parce que je me dis, vous allez suivre la vidéo. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme ânerie? J'ai envie de savoir. Donc, faut tout regarder pour savoir. Voilà. L'arrivée s'est bien faite, vers 15h à peu près. Donc c'était un très beau voyage. C'était la première fois pour moi que je voyais la Belgique. Et je suis très très agréablement surpris de nos amis les Belges, qui je trouve respectent vraiment tout très bien, que ce soit la conduite. Ils ne sont pas à conduire comme des fous, même les vélos, j'ai vu, ils dépassent pas les voitures. Tout est, ouais, vraiment, ils sont vraiment très bien, ces petits Belges. Très polis, très courtois, ils viennent facilement vers nous. J'ai été agréablement surprise et je reviendrai, ça c'est sûr. Donc, très contente de mon voyage. Et moi, je vous dis à bientôt, les Belges. Une chose aussi très importante que j'ai oublié de dire, les poubelles. Il n'y a rien par terre, j'ai vraiment observé, c'est vraiment très très propre. Franchement, la France peut en prendre vraiment de la graine. Donc non, vraiment contente. Voilà, des bisous.